là, donc on a la vitesse sol qui est à 166 nœuds. Voilà. Donc en gros 300 km/h à peu près. Hein. On est parti depuis 2 heures, depuis Marignane. Et on a parcouru presque 450 km. C'est facile et je vous cache pas que c'est la partie la plus facile. Hein. Pour moi tout se passe bien, c'est le début d'un vol Longrange où j'espère que tout va bien se passer. On arrive à Brindisi, on prépare l'arrivée sur Corfou, qui en grec se dit Kerkira. Alors pour chaque terrain, on a 50 000 approches. Il suffit de trouver la bonne. Alors comme c'est un terrain qui nous est pas familier, bah il faudra ensuite faire un deuxième briefing pour savoir sur quel taxiway on va sortir. On sait pas où est-ce que l'on va être garé. Ceci c'est des accroches de pales, c'est typé sur là où il y a les deux cercles jaunes. Et ça permet d'attacher le bout des pales sur la machine pour éviter qu'en cas de coup de vent ça s'abatte et ça puisse endommager la tête rotor, qui est donc un élément important pour nous permettre de rester en l'air. Aujourd'hui, c'est royal. Tout ce qui est handling, c'est-à-dire assistance au sol, c'est parfait. On n'attend pas, on a tout ce qu'on veut, le carburant, on a les facilités d'immigration, les bagages, le taxi. Ça, c'est très, très appréciable. Il arrive des pays, pour avoir la même prestation, il faut 2 heures, 3 heures. Oh, monsieur, thank you very much. Yeah. Thank you so much. Hey, Taki, look what I've got. You have two? Yes, I've got two. One of the best helicopters around. I've seen it in military, civil, search and rescue. Always spot on. 0-1-3. 1-0-1-3 and we are starting up. Maybe it will be possible to use the 1-7? Affirm, runway 1-7 approved. Thank you, madam. Allez, on est parti. Donc, on regarde les oiseaux, parce qu'il y a des oiseaux à midi. Ouais. On va traverser toute la Grèce, le Péloponnèse, et traverser l'est de la mer Égée, et sur Héraclion. Il y a à peu près 3 heures, il n'y a qu'un seul vol, c'est journée confort. En fait, les machines de Marignane partent sous trois manières. Ça peut être des gros avions cargo style Antonov qui emmènent les hélicoptères à travers le monde. L'avantage, c'est qu'il y a peu de démontage sur la machine. L'inconvénient, c'est que ça coûte assez, voire très cher. La deuxième solution, c'est qu'on les envoie par bateau. C'est peut-être plus économique, mais ça prend beaucoup plus de temps. C'est de l'ordre d'un mois, voire un mois et demi pour arriver au Mexique. Et en fait, certains clients trouvent que qualité-prix, le convoyage, ça dure 10 jours, ça coûte une certaine somme, mais moins qu'un avion cargo. Ça éprouve la machine aussi, c'est-à-dire que la machine, quand elle arrive avec 75 heures de vol, le rodage est fait, je dirais. Le client, il peut la prendre le lendemain et puis ils vont travailler avec. Allez, on voit un briefing arriver sur Héraclion. Bastar, donc le Baves 1 Alpha, qui nous fait après Baves donc sur Ira et le point 17 nautique dans le 041. On est d'accord.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est la première fois qu'on vole ensemble. Oui. On n'avait jamais volé ensemble tous les deux. Ça fait plaisir de vraiment savoir qu'on est sur la même fréquence pour le coup et qu'on appréhende le vol de la même manière, chose qui n'est pas évidente pour tout le monde. Parce que parfois, quand on part avec des clients moyennement motivés et moyennement professionnels, on considère que c'est le genre de mission que l'on fait tout seul. Alors on met ce gilet rouge, c'est un gilet de sauvetage, c'est obligatoire sur l'homme en cas de survol maritime au-delà d'une certaine distance des côtes, une mesure sécuritaire qui est valable pour tout le monde. On avait une forte odeur de kérosène au décollage. Donc j'ai inspecté l'environnement de réservoir pour voir si il n'y avait pas une fuite.